Après moi, là, il y a des onctions terribles qui vont arriver ce matin. Je suis simplement en train de vous préparer. Alléluia. Je vais inviter notre mamie qui va témoigner ce matin. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens glorifier mon Dieu ce matin pour la santé qu'il me donne chaque jour. Pour commencer, et hier, votre soeur m'a appelé, toute contente. Comme les enfants sont dans les écoles privées, il y a un qui a 10 ans, qui a passé le CEP. Alléluia! Alléluia! Est-ce que ce n'est pas une raison de plus de glorifier le Seigneur ce matin? Alléluia! Oh, dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh, aujourd'hui. Répondez seulement aujourd'hui. Oh, aujourd'hui. Il y aura la joie dans notre cœur parce que nous avons en nous le puissant vainqueur. Aujourd'hui, son nom c'est Jésus. Aujourd'hui, oh, aujourd'hui, aujourd'hui, il y aura la joie aujourd'hui dans notre cœur. Aujourd'hui, parce que nous avons en nous le puissant vainqueur. Aujourd'hui, son nom c'est Jésus. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Écoute ceci. Tu te poses des questions. Pourquoi tu n'es pas marié? Aujourd'hui, mais écoute ceci. Aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui, Goliath n'est pas mort. Aujourd'hui, car il a été dit, c'est lui qui vaincra Goliath, se mariera dans la lignée royale. Mais ton Goliath, c'est qui? Oh, est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire ce matin? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire ce matin? Bien-aimé, quelle est la question que tu te poses ce matin? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui t'embête? Mais ton Goliath, c'est qui? Ton Goliath, c'est qui? Oh, aujourd'hui, aujourd'hui, ça va se faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. Répondez par Est-ce que vous savez de qui je parle? Est-ce que vous savez de qui je parle? Alors on va recommencer ça. Toi, acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est tellement extraordinaire. Aujourd'hui. Oh, Jésus. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, refuse que ce soit demain. C'est de ça dont le Seigneur est en train de parler. Les chrétiens sont trop dans demain. Les chrétiens sont trop dans le Dieu d'hier. Mais il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Je vais appeler la deuxième main. Ma fille, viens. Viens témoigner la gloire de Dieu ce matin. Bonjour, peuple de Dieu. Avant de commencer, je voudrais faire quelque chose. Je sais que papa n'est pas là avec nous dans la chair, mais il est là en esprit avec nous. La dernière fois, lorsque j'ai témoigné ici, j'ai omis de dire ce que papa avait ajouté. Alors, je voudrais demander pardon à papa et à toutes les personnes qui étaient là. Thank you.
suis partie en province. On devait se rencontrer avec maman. Donc, elle est repartie en Indie et moi, je suis venue. Le jour qu'elle repartait, ils ont eu un accident. Donc, mais personne n'avait rien eu. C'est juste la voiture qui était endommagée. Et moi aussi, lorsque je suis venue, la zone de Lambarané, il a failli avoir un accident. Il y avait une voiture mal garée. C'était le tournant et il y avait une citerne juste devant. Donc, si le chauffeur n'était pas vigilant, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Bien-aimé, je me tiens ici, je sais de qui je parle. Je sais de qui je parle et je sais de quoi il s'agit. C'est Dieu, il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu, il est fidèle. Alors, je vais inviter l'évangéliste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, encourager l'homme de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin encore. Alléluia. Sylvia, j'aimerais dire que Dieu te bénisse. Que le Dieu de notre Père, le prophète ambassadeur, te bénisse énormément. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu de notre Père, le prophète ambassadeur, je déclare que la gloire s'attache à toi. Alléluia. À cause de ton humilité, que tu ailles à des endroits même où on ne t'imaginait pas. Amen. Retiens bien cette date, retiens bien ce jour, tu verras la main de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, ce n'est pas tellement un témoignage, mais c'est plutôt une exhortation. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, depuis qu'on a commencé là, c'est différent. Alléluia. On a eu des dimanches, alléluia, mais aujourd'hui c'est un dimanche particulier. Le prophète Ephraim a dit sans protocole, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sens-toi libre. Si tu sens que la chaise où tu es assise te dérange, pousse. Si tu sens que tu ne peux plus rester debout, agenouille-toi ou allonge-toi, fais comme tu veux. Aujourd'hui, c'est un jour particulier et spécial pour l'église de la cité de Cana. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu pour nos parents. Alléluia. Que Dieu les bénisse abondamment pour cette œuvre. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez du témoignage, hormis celui de l'ordinateur que j'ai fait. J'ai donné un deuxième témoignage. Alléluia. Je disais que le séminaire qu'on a eu à passer devait nous introduire dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle étape. Alléluia. Et je vous assure que nous sommes en train de rentrer à l'intérieur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est la Pentecôte. Et lorsqu'on lit Acte 2, chapitre 2, c'est le chapitre qui nous parle de la Pentecôte, la deuxième Pentecôte. La Pentecôte est synonyme à ce qu'on appelle un réveil. Alléluia. La Pentecôte, c'est le seul jour, ou bien on va dire quoi, c'est le point de départ où un poltron devient courageux, capable de prêcher devant 3000 hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où vraiment tu n'as plus peur des persécutions. C'est le jour où tu vas au-delà de toi-même, au-delà de tes capacités. C'est le jour où la Bible dit que vous recevrez quoi? Une puissance. C'est le jour où tu deviens puissant. Dis aujourd'hui, je veux recevoir cette puissance. Je pensais que tu allais te lever pour dire ça. Alléluia. Je veux que quand tu le dises avec âne, avec puissance, vraiment avec conviction. Dis aujourd'hui, je veux recevoir cette puissance. Alléluia. Dis aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu va me remplir et m'inonder. Si j'étais peureux, je deviens courageux. Si j'étais faible, je deviens fort. Si j'étais pauvre, je deviens riche. Si j'étais malade, je deviens guéri. Au nom de Jésus. Si j'étais stérile, je deviens fécond.
Parce que Dieu m'a promis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais recevoir la puissance qui vient d'en haut. Je vais recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 J'aimerais que tu élèves ta voix. Excusez-moi. J'aimerais que tu commences à dire, Seigneur, ce soir je suis disposé. J'aimerais que tu dises, Seigneur, ce matin je suis assoiffé. J'aimerais que tu dises, Seigneur, ce matin, oh, la Bible dit ce que l'œil n'a point vu. La Bible dit ce que l'oreille n'a point entendu. La Bible dit ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. La Bible dit que le Saint-Esprit vient et il commence à nous révéler ces choses. Il commence à nous faire vivre ces choses. J'aimerais que tu dises, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, ce que l'œil n'a point vu, ce matin, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur, fais-moi vivre cette chose ce matin. Commence à élever ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je suis disposé que ton nom. J'aimerais que tu confesses ces paroles vraiment comme un désir. Je suis disposé comme un soupir. J'aimerais que tu puisses puiser au profond de toi pour pouvoir exprimer ces paroles. Je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Seigneur Jésus, gloire à Jésus. Notre Dieu est parmi nous ce matin et cela me réjouit. Je bénis le Seigneur pour sa grâce parce que ce matin il a un regard favorable sur nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a une onction, il y a quelque chose qui est en train de bouillir et ce matin nous allons prendre quelques minutes dans l'adoration avec cette onction. Ah, c'est un homme particulier. Mais avant que de l'introduire, bien-aimé, je veux vous amener quelque part ce matin. Parce que l'Esprit du Seigneur est là. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme ta vie. Hein? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme ta vie. Hey! Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Je chante comme je ne vous entends pas, le peuple. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Est-ce qu'on peut battre la main? Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Hey! Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Oh, je chante, je chante. Attendez. Ce que vous êtes en train de faire, vous connaissez tous l'histoire de David. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que David danse comme tu es en train de danser là?
ne sait pas si on parle de la même personne. Je ne sais pas s'il s'agit d'une qu'on a surnommée dans ta famille. Non, je ne parle pas de ce David là. Je parle de ce David qui était roi, mais qui dansait. Il dansait pourquoi? Parce qu'il savait de qui il s'agit. Alléluia. Oh bien-aimé, l'esprit qui est descendu ce matin est venu faire quelque chose d'extraordinaire. Donc tu as des raisons de louer, de célébrer le roi du ciel ce matin. On va le prendre. On bat les mains, on bat les mains. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. On y va. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme voici l'esprit. Voici l'esprit de Dieu. Voici l'esprit de Dieu. Église, voici l'esprit. Voici l'esprit. Je danse, je danse. Alléluia. Je danse comme David. Je danse. Alléluia. Je danse. Jésus. Je danse comme David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ce n'était pas improvisé. Ce n'est pas improvisé ce moment. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Alors je vais appeler un homme. Son nom, c'est un ambassadeur. Alléluia. Et c'est lui qui va introduire l'orateur de ce matin. Alors sous vos ovations, s'il vous plaît. J'ai appelé l'évangéliste ambassadeur pour nous conduire dans un temps d'adoration et dans un sujet de prière. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que les chants me donnent un cantique très fort. Il y a un cantique que Lika a donné hier là. J'aimerais que tu donnes ça, que tu puisses. J'aimerais que quelqu'un ce matin soit connecté à Dieu, non pas à l'instrument qui est ici, mais à la personne qui utilise l'instrument. J'aimerais que tu te connectes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux nous donner ce cantique, s'il te plaît? Abba Père, ce matin, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire pour ta présence en ce moment. Éternel, ce matin, nous voulons, oh Dieu, recevoir un toucher particulier venant de toi. Comme au jour de la Pentecôte où tu avais répondu de ton esprit sous toute chair, que cela soit notre partage aujourd'hui, Jésus. Nous soupirons après ta présence ce matin. Nous soupirons après ton esprit ce matin. Elohim, nous avons besoin de toi. Elohim, nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de ta présence ce matin. Nous voulons demeurer auprès de toi, Jésus. Donne-nous la capacité, donne-nous la possibilité de pouvoir rentrer dans ta présence ce matin. Donne-nous la capacité de pouvoir nous connecter à ton esprit ce matin, Jésus. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Sois concentré, s'il te plaît. Sois concentré, s'il te plaît. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire tous ensemble ce matin. Je ne désire que toi. Est-ce que tu peux exprimer ces paroles à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux appeler la présence de ton Dieu dans ton cœur? Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi.
savoir à ton Dieu. Fais savoir à ton Dieu que tu as besoin. Je suis assoiffé. 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 Alléluia. 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 Écoute le son de ma ce matin. Écoute-moi. J'aimerais que maintenant nous puissions. J'aimerais que nous puissions contacter le numéro personnel de Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue, il se met à dire des mystères que seul Dieu a la capacité de comprendre. Le diable ne peut pas décoder ce langage. J'aimerais que toi qui pries en langue, toi qui aspires à le faire, j'aimerais que tu puisses rentrer maintenant. Akatos arrive de toi. Dieu est là. Pareko sokende. La maison. La sa. Au sommet que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Machia est là. Adonai, Lokanisho, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle directement à Dieu. Oh, ne laisse pas ta langue être lourde. J'aimerais que tu délies ta langue, que tu laisses l'Esprit de Dieu se poser dessus. Quand nous opérons des chicahes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Hein? Esprit de Dieu. Libère ton esprit. Un, locatus, brariche. Connecte-toi à ton Père. Oh, son action est disponible pour quiconque la désire ce matin. Ah. Soupire, soupire à lui. Soupire, soupire à ton Père. La catosole macaliso. Que tu nos sacalis, racatois paillasso que bas.
Dieu de gloire. Est-ce que le peuple peut faire trembler le monde des ténèbres avec les acclamations à l'honneur de Jésus? À l'honneur de Jésus. À l'honneur de. Oh, monte un peu, monte un peu. Monte, 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 monte. Monte, monte. Ce que je vais te dire est vrai ce matin. Amen. On va juste prendre 2 minutes. Dis à quelqu'un 2 minutes. Très déterminante pour notre destinée. Amen. Ensemble, il y a une onction forte ce matin. Frère, l'Esprit de Dieu est là. Amen. J'ai envie de commencer, mais Dieu me dit de soupirer encore. Nous les détestons. Satan, nous connaissons tes œuvres. C'est pourquoi nous t'ordonnons de fuir ce matin. Ah! Fuis ce matin loin. Satan, tu n'as pas ta place ici. Oh, esprit, non, tu n'as pas ta place en ces lieux. Esprit méchant, tu n'as pas ta place. Tu es dévoilé à nu. La Bible dit que tu es dévoilé à nu. Tu n'as aucun endroit où cacher de tes armes. Tu es tout nu. Tu es tout nu, livré en spectacle devant nous. Tes œuvres prennent fin. Tes œuvres prennent fin. Car le roi des rois fait son entrée. Le roi des rois fait son entrée. Machia, fais ton entrée, fais ton entrée. Alléluia. La Bible dit dans Luc 4 au premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit après avoir sorti du Jourdain. Alléluia. L'Esprit va transporter cet homme dans le désert. Notre esprit de ce matin est un esprit qui aime le combat. Il aurait pu transporter Jésus dans les villes, mais il l'amène dans le désert. Alléluia. Et quand il part dans le désert, il part rencontrer le diable. Amen. Et là-bas, il humilie le diable. Tu n'as pas encore compris. Oh, 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 oh. J'ai dit, tu n'as pas compris encore. Et la Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu, au verset 14, l'Esprit a porté un cadeau. Parce que frère, il y a l'Esprit et il y a la puissance de l'Esprit. La Bible nous dit au verset suivant, au verset 14, la Bible dit que là-bas, Jésus n'était plus revêtu seulement d'esprit. Mais la Bible dit qu'il fut revêtu de puissance. La Bible dit qu'il fut revêtu de puissance. Oh, la Bible dit que cet esprit nous a été promis. Et chose exceptionnelle, il est là ce matin. Hey. Ah, je dis il est là ce matin. Et la Bible dit
quand il est revêtu de puissance, le verset suivant dit, son nom fut répandu vers les extrémités de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, qui peut rendre un homme si célèbre si ce n'est pas le Saint-Esprit? Qui peut rendre un homme puissant si ce n'est pas le Saint-Esprit? Alors tu vas juste faire une prière, s'il te plaît. Dis à Dieu, accorde. Et écoutez, la Bible dit ceci. Créez-vous. Dieu dit, créez-vous une justice. C'est-à-dire que tu dois prendre Dieu au mot. Tu vas prendre Dieu au mot. Tu vas venir présenter Dieu. Voici ma justice. Tu m'as dit que moi, je recevrai un gage qui est ta puissance et ton esprit. Pentecôte est la révélation de la puissance de l'église. Alors ce matin, dis à Dieu, power. Power dans ma vie. Alors, élève la voix maintenant. Casso brèche. Hey. Oh frère, s'il te plaît, parle bien. Parle bien à ton père. S'il te plaît, canetso. Lande kaprakata sasa. Rekotzunde maïche. Oh Saint-Esprit, viens répandre ton onction. Viens répandre ton onction. Casse. Viens répandre ton onction. Viens la répandre. Oh, que l'homme faible parle plus fort. Kadazoubras. Que l'homme faible parle. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 S'il te plaît, ensemble, j'aimerais qu'on acclame. J'aimerais qu'on célèbre Dieu pour la vie d'un frère que j'aime bien ce matin. J'aimerais qu'on acclame parce que ce matin, je crois que il va continuer à appuyer un peu plus. Il va continuer à enfoncer le clou un peu plus loin. J'aimerais qu'on acclame, s'il vous plaît, pour la vie de l'évangéliste Junior. J'aimerais qu'on puisse bénir Dieu pour sa vie. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? L'éco satalia brasso cotolia bre. L'équebro socotolia brasse kaba baba. L'iproco sotolia bre soca baba baba. Leke bro so katalia bra. Li bro kataya bra so ketelia bra. Li bro so kotolo moshaya bra. Li breko so tolia bra. Parle maintenant. Parle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je délie ta langue maintenant au nom de Jésus. Que ta bouche s'ouvre. Commence à déclarer les mystères de la gloire de Dieu. Commence à parler. Commence à parler en ligne directe avec le ciel. Leko broso kataliabra. Leke broso kayababa. Leke rebababa sheke taliabra. Ce matin, au nom de Jésus, je viens installer un nouveau langage, un nouveau parler dans ta bouche au nom de Jésus. J'ouvre ta bouche, j'ouvre ta bouche, j'ouvre ta bouche. Parle maintenant, parle maintenant. Et rabo soka ya bababa, likete yebre, likarababa shekate, libre ka sobre, limaka. Ebro soka ya baba. Reketayaba, je dis n'aie pas peur, n'aie pas honte, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Irababa, sors les paroles qui sont en train de monter dans ton cœur. Commence à déclarer, commence à parler dans un langage inaudible. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis, mais l'Éternel te comprend. Parle, parle, parle. Likabra sokata yabra. Lebro sokata. Je dis ne te retiens pas.
Ne te retiens pas. Ne te retiens pas ce matin. Libre kaba baba baba. Loka sembre. Libre kataya baba baba. Libre soka ya baba. Libre kataya bra. Libre roka shata ya bra. Libre kaba baba baba. Sans la présence de Dieu qui t'envahit en ce moment. Sans la visitation. Sans la présence du Saint-Esprit. Les cabros sont ya baba. Libre kaba baba. Chekere bébé bébé bébé. Loubra. Leketa ya baba baba. Roko sobre. Libre baba baba. Ereka chata ya baba. Riketa ya baba baba baba. Rebobobo soka ya baba. Libre kamare kesa. Libre soka ya baba baba. Libre kata ya baba baba. Libre soketa ya bre. Ibra heka ya baba baba baba. Libre soka ya bre. Lebra ikata ya baba baba. Libre soka ya bre. Leka male bre. Lika sota ya bra. Je dis, ne retiens pas ta bouche. Ne ferme 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 pas ta bouche. Commence à déclarer. Commence à parler. Ne te retiens pas. Ibro, sans le Saint-Esprit qui est en train de t'envahir. Sans le Saint-Esprit qui t'inonde maintenant. Ibra kaba baba, ikere kasho, reba baba baba baba, rikosa ya bre, lokata la baba baba. Sans comment sa présence dans l'as maintenant. Le kabroso kaya baba, rekera baba baba, riproso kaya baba, rekeso talia bra. Tu es venu rencontrer le Saint-Esprit. Rebe bebe bebe bebe. Rika sota liabra, reke baba baba baba, libro soka ta yabre, lika ya baba baba baba, sheke reka ta yababa, ribo shaka yabra, leke ta liabro, lima mama 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 soka yabra, reka baba baba, robo bosha yabre, rika ne yabre soka yababa, reko soto liabre. Likabra soka taliabre. Leko soto liabra. Limareka baba 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 baba. Rike sobra. Hibra. Leke soto liabre. Robro soka taliabra. Lemareka bro soka ya baba. Le cabro so cataliabre. Li mare cabro so cataliabre. Le cabro so celebre. Li pro cababa baba. Sobre i cataliabre. Le keraba baba baba baba. Sobre i cataliababa. Ri pre camalebre. I pro so cababa baba baba. Re ketaliabro so cayabra. Robreka mama mama mama. Si broka tayabre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cabroso kataliabra. Libre mama mama mama. Le cabroso kataliabre. Le cabroso kataliabra. Li cabroso kayababa. Le breko tayababa. Libro so kayaba. Ibra kaba baba baba. Le Libra isha kataliabra. Hallelujah. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta puissance et ta présence. Alléluia. 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 Hey. Je suis en train de voir quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de changer.
qui est en train de changer de position, qui est en train de changer de dimension. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de recevoir cette onction particulière. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de recevoir, qui reçoit l'esprit, reçoit Je vois la bouche de quelqu'un qui était fermée s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. La Bible dit vous recevrez une puissance. Je suis en train de voir quelqu'un. Oh, tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. L'Esprit de Dieu te remplit. De là où tu es, l'Esprit de Dieu te remplit. Il te sature. Il t'enivre maintenant. Oh, tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Reçois l'Esprit de Dieu. Je retourne de sa présence. Rikataya bababa. Roko sabre shaka yababa. Leketalia bra. Hibro soka yababa. He kabro soka talia bra. He rabababa. La Bible dit le temps favorable, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Oh, ce n'était pas hier. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant que la puissance de Dieu te visite. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu te visite. C'est maintenant. Le cabroso catalia bra. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu remplis quelqu'un. Oh, merci Seigneur Dieu, parce que tu es en train d'activer dans la vie de ces personnes, Seigneur, toutes ces choses qui étaient endormies. Seigneur, Pierre ne savait pas qu'il était capable de prêcher devant 3000 hommes. Mais lorsqu'il a reçu ta puissance, la Bible dit, Seigneur, qu'il a reçu, qu'il a reçu, qu'il a reçu, qu'il a reçu la puissance et la capacité de prêcher devant 3000 hommes. Alléluia. 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 Ça c'est le Alléluia. Doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta puissance en ce lieu. Merci pour ton esprit en ce lieu. Merci Seigneur parce que ce culte est spécial et il est particulier. Merci pour ta gloire. Merci pour ton serviteur le prophète et son épouse. Pour cette merveilleuse œuvre. Merci parce que nous savons que tu es présent et que tu nous accompagnes. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu as agi, tu as rempli et tu as opéré puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour saluer la présence de notre Dieu en ce lieu au nom de Jésus? Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut lever tous nos mains vers le ciel? Oh, 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 oh.
toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, Seigneur Jésus. Le Dieu digne de toute gloire. Saint-Esprit, merci pour le service. Ce n'est que le commencement d'un long processus. Merci, Saint-Esprit. Maintenant, entre les creux de ta précieuse et sûre main, je viens sceller, Seigneur Jésus, ces dons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi ne vienne ravir ce dépôt au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'empreinte. Merci pour ta marque Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Alors, qu'il te plaise d'utiliser Seigneur puissant l'avantage ton serviteur. Merci Seigneur. Je crie à toi.
toi, prosterne-toi, fais ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit est là. Éternel Dieu, je veux bénir ton nom. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est vraiment assez spécial. Les enfants, c'est un mystère pour vous. Je vous en train de regarder. Vous allez déconcentrer les grandes personnes. Et regardez, positionnez les enfants encore dans des rangées derrière, s'il vous plaît. Hein, les enfants, allez-y derrière. Protocole. Gloire à Dieu. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus. On y va. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans ce lieu, prends ta place. Jésus prend ta place. Père, je suis juste un canal. Jésus prend ta place. Juste un canal. Jésus un canal prend ta place. Avec humilité. Jésus prend ta place. Je viens devant toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Je viens avec humilité. Afin que Jésus tu passes par moi pour délivrer ton court message. Je suis juste une passerelle. Retiré de tout ego. Je viens avec humilité ce matin. Manifeste-toi comme tu l'as déjà fait là. À travers le message que je vais t'adresser. Et à travers ton Saint-Esprit. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place dans ce lieu à Cana. Jésus prend ta place. Jésus viens, prend le ta dans ce lieu. Place. Jésus prend ta place. On acclame le Seigneur encore. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. C'est spécial aujourd'hui. Reçu le Saint-Esprit. C'est le thème de mon message. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je vais essayer de faire ça en 15-20 minutes. Hein? On a déjà chauffé l'huile. Je sais que vous êtes déjà prêts. Hein? On ne va pas trop durer. Hein? On va partager quelque chose rapidement. Je sais que pour certains nouveaux chrétiens, il y en a qui ne parlent pas en langue ici, c'est ça, c'est clair, non? Levez les mains, ceux qui ne parlent pas en langue. Voilà. Ça fait un peu bizarre ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous expliquer en 20-30 minutes, rapidement, un peu la présence du Saint-Esprit, c'est quoi? Donc, je vous demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Dans Jean 17, verset 12, on va rester là. Jésus s'adressant à son Père, il fait son bilan. Il est à deux doigts d'être crucifié. Il s'adresse à son Père, il fait un peu son bilan. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Garder les disciples. Et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de la perdition qui est Judas. Donc quand
Jésus fait son bilan, il s'adresse à son père et il dit, tu m'as donné des personnes que j'ai enseignées, que j'ai guidées, que j'ai gardées en ton nom. Il n'y a qu'un seul, le fils de la perdition, afin que les écritures soient accomplies. Et maintenant je vais à toi. Et il précise dans le verset 14, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Jésus, avant de partir, il dit, il nous a donné sa parole. Voici le gros bilan positif que Jésus a fait. Je leur ai donné ta parole. Gloire à Dieu. S'adresse à ses disciples, il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est fort, hein? C'est un nouveau commandement. Là, Jésus est à quelques jours de sa crucifixion. Il donne les dernières recommandations à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Alors, tu vas te déplacer. Tu vas attraper les mains d'une personne. Et puis, tu vas dire, je vous aime. Et je vous dis une chose. C'est pas je t'aime. Ne profitez pas. Vous avez compris? N'avez pas voir dans la figure de quelqu'un qui t'a dit je t'aime. C'est trop fort. Dis, je vous aime. C'est éloquent. C'est majestueux. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Déplacez-vous. Saisissez la main d'une personne, je vous aime dans l'amour de Jésus. Allez, allez. Ne profitez pas. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Je vous aime, papa, dans l'amour de Jésus. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Je vous aime. Donc je vois que vous riez là, vous souriez. Vos visages sourient là. Ayad, s'il y a un gars qui a une go, qui a une visée, profite. Tout ça c'est pareil. Qu'on s'asseye. Aujourd'hui, il y a le feu. Il y a le feu. Hein? Les enfants de papa, ils sont prêts. Alors, vous savez que papa n'est pas là, nos leaders sont pas là. Papa est en mission. Il est en Côte d'Ivoire pour faire certains papiers. Et ensuite, vous avez vu qu'il a affiché quelque chose. Il est l'invité d'honneur aujourd'hui d'une église à Bijan. Et dans le cadre de la Pentecôte. Vous savez que la Pentecôte, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qu'on invite qui voyagent à travers le monde pour aller délivrer des messages puissants. C'est un jour assez particulier. Donc, c'est un jour où Dieu se saisit de cela pour faire bouger quelqu'un qui était dans une situation morne vers une situation active. L'évangéliste junior, quand il partait, il vous a dit ceci, n'est-ce pas? Donc, c'est un jour assez particulier. Donc, nous devons mettre les moyens pour faire en sorte que c'est une opportunité pour un chrétien d'expérimenter cette puissance-là qui vient d'en haut. Alors, papa en mission, donc tout va bien. Et vous savez aussi que maman est partie récemment déposer, accompagner maman Élise, qui est rentrée à Cotonou. Vous connaissez un peu la situation de maman Élise.
c'est une situation assez compliquée. Donc, notre mère a décidé de, avec papa, de la faire partir à Cotonou. Donc, maman l'a accompagnée. Et maman sera là incessamment. Elle sera là lundi. Avant de venir, maman Elise m'a fait parvenir un message avec beaucoup d'émotions. Hein. J'étais très ému. Elle remercie vraiment toute l'église et en particulier le corps pastoral qui a vraiment prié pour elle. Et elle s'est sentie dans l'amour, vraiment. Elle dit qu'elle a passé une première nuit agréable à Cotonou. Sa voix était distincte par rapport à ici. Franchement, ce matin, avant de venir, ça m'a ému. Donc, elle remercie vraiment l'église et tout le monde. Et c'est elle maintenant qui nous fortifie. Elle dit, restez dans la parole. Hein? Restez à Canaan. C'est notre église. Gloire à Dieu. Je vais essayer de vous expliquer un peu ma compréhension du cheminement pour avoir le Saint-Esprit. De façon simple, tout mon message est puisé de Jean 14, on va lire quelques versets. Hein. On va commencer par Jean 14, à partir du verset 1. Jean chapitre 14, à partir du premier verset, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est un point fort dans le cheminement pour recevoir le Saint-Esprit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ça revient encore, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Donc le principe, le processus de croire en Jésus te donne accès à une sorte de puissance. Et il précise, je vais au Père. Donc il donne les dernières recommandations. Au départ, avant que j'ai commencé, j'ai dit, il a fait son bilan à son Père, Dieu, et il a dit, les disciples que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun. Personne ne s'est égaré, sauf le fils de la perdition. Et il dit, mon testament, j'ai donné aux disciples, il nous a donné la parole. Maintenant, une autre recommandation, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Celui qui croit en moi, il fera plus que ce que je fais, que j'ai fait. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Commence par le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mm-hmm. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Gloire à Dieu. Je vais au Père. Mais il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Donc, on revient au début. Je voudrais que vous asseyez. Sauf, maman, tu vas rester debout un peu.
Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il vous donnera un autre consolateur. Parce que le premier consolateur, c'était qui? Jésus. Mais lui, il part. N'est-ce pas? Il va nous faire parvenir un autre consolateur avec l'accord de son Père. Le but de ça, c'est que le consolateur, l'autre consolateur, c'est de rester éternellement avec nous. On ne le voit pas, il a une façon d'agir. On me suit jusqu'à présent? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dans le verset 15, on avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le verset 21, il revient encore et dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire celui qui a ma parole et il les garde. Garder la parole, c'est quoi? Vous devez bosser. Vous devez lire votre Bible. Vous devez avoir la révélation de la parole. Vous devez demander. La Bible déclare que la révélation de ta parole donne de l'intelligence au simple que je suis. Donc, si vous gardez la parole de Dieu, ça veut dire que vous aimez Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est une recommandation importante. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je continue, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il revient encore. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Gloire à Dieu. C'est fort, hein? Dieu et Jésus disent, siéger chez toi. Ils vont faire leur demeure chez toi. Or, vous savez très bien que Dieu dit qu'il a fait de Sion sa demeure. Il dit Sion, c'est mon lieu de repos. Donc, ça veut dire que si Dieu et Jésus font une demeure chez toi, toi, ça veut dire que tu es considéré comme un Sion. Et donc, du coup, tout ce qui va se passer chez toi, c'est une réussite. Gloire à Dieu. Quand Dieu donne du repos à quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire qu'il donne la grâce. Il y a l'absence de troubles, d'inquiétudes, de problèmes. Donc, ça c'est une recommandation importante. Il dit, Dieu et moi, on fera notre demeure chez toi. Parce que tu as gardé mes commandements, tu as gardé ma parole. Gloire à Dieu. Maman, tu peux t'asseoir si tu es un peu fatigué. On est toujours dans Jean, hein. J'aime bien Jean. Celui qui croit en moi, dans Jean 7, à partir du verset 38, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. J'ai envie de dire ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est en ce moment-là. Si tu crois en Jésus, tu crois en sa résurrection, tu crois qu'il a versé le sang pour toi, tu crois qu'il a fait un baptême de Jean, n'est-ce pas? Si tu crois en cela, tu crois en cela, tu crois en lui, tu vas recevoir le Saint. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous montrer le cheminement. Hein, le cheminement.
Il dit cela de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois, tu reçois. Si tu crois, tu reçois. Dites, je crois. Je reçois. Je reçois le Saint-Esprit. Ce matin, la puissance qui vient d'en haut. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être là quand Jésus était là. Ça a fait un trop plein. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être là parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais c'est qui le Saint-Esprit? On l'appelle le Consolateur, celui qui console. Il console les cœurs. Tu es troublé, il console ton cœur. Tu es affligé, il te console. Tu as des soucis, il te console. C'est un consolateur. Et c'est un esprit qui demeure éternellement. C'est-à-dire, il n'y a plus une histoire de... C'est un truc qui sera crucifié. Après, on va encore... Non. Quand il est venu, là, il est venu. J'ai un verset que j'aime énormément quand je faisais cette recherche-là. Jean 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Chrétiens, retenez cela. L'Esprit Consolateur, qu'on appelle le Saint-Esprit, que le Père enverra. C'est Jésus qui le dit, hein. Il dit, voici comment il va fonctionner. Il va vous enseigner toutes choses. Ce n'est pas une chose. Il va vous enseigner tout. Le Saint-Esprit enseigne tout. Et plus intéressant, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire, il vous ramènera en mémoire la parole qu'il vous a enseignée. Ça veut dire quoi? On revient encore. Qu'est-ce que Jésus nous a légué? Sa parole. Si tu ne bosses pas ta parole, comment tu veux que le Saint-Esprit, quand il viendra, il va fouiller en toi, il va chercher, qu'est-ce qui peut te rappeler à ta mémoire? Tu n'as rien bossé, il ne va pas te rappeler quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris ce verset-là? Il y a un petit effort que toi aussi tu dois faire. Bosse sa parole, garde ses commandements. Parce que quand il viendra vous enseigner toutes choses. Mais plus encore, il va vous rappeler tout ce que il vous a enseigné. Donc, le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Il est venu pour rester éternellement. Il est venu pour enseigner toutes choses. Il est venu pour nous remémorer ce que nous on a bossé, ce que nous on a gardé comme commandement de Dieu. Chrétien, bossez. Lisez votre Bible. Cherchez la révélation de la parole. Il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit fait quoi? C'est l'Esprit Consolateur. Il va vous consoler, il va vous guider, il va vous apaiser. Mais il va vous révéler beaucoup de choses. Toutes choses. Et ensuite, il vous rappelle ce que vous avez gardé comme commandement de Dieu. Et puis, il y a un autre verset dans Jean 16, à partir du verset 13. Le Consolateur, donc le Saint-Esprit, te conduit dans toute la vérité. Il dit tout ce qu'il entend. C'est un papato, comme on dit chez nous. Il dit tout ce qu'il entend. Il te dit ça, il te répète ça, tout ce qu'il entend. Et il vous annonce les choses à venir. Vous avez vu? Tu deviens prophète comme ça, comme le prophète Éphrem. Hein? Comme papa. C'est un esprit de révélation, un esprit de vérité. Mais je veux que vous reteniez quelque chose.
le verset 26 de Jean 14. Le Saint-Esprit, ça, je tiens beaucoup à ça parce que le chrétien est un peu trop paresseux. Si le Saint-Esprit dit qu'il va vous enseigner toutes choses, mais il va vous rappeler aussi les choses que vous êtes censé garder. Parce que Dieu dit, si vous l'aimez, vous garderez ses commandements. C'est comme ça qu'ils se rendent compte que vous l'aimez. En gardant ses commandements, en gardant sa parole. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche seulement, vous venez, vous faites le culte et puis vous partez. Non. Voici le cheminement. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, voilà, les recommandations. Avant que le gars il ne parte auprès de son père, il a donné des recommandations. Et nous, on doit les suivre. Gloire à Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc, maintenant, je vais terminer par ça. J'ai encore peut-être 10 minutes. On est dans le temps, c'est bon. Comment recevoir le Saint-Esprit? Qui se rappelle de ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut croire en Dieu, il faut croire en Jésus, n'est-ce pas? Croire en sa résurrection. Qui croit que Jésus a été ressuscité? Ah, s'il n'y a pas de doigt levé là, là, c'est pas bon. Là, je chasse la personne ici. Là, je chasse la personne d'ici. Papa Oyele, qui croit que Jésus a été ressuscité? Voilà. Alors, donc, croire en Dieu, croire en Jésus, croire en sa résurrection et ne pas s'éloigner du lieu fixé par Jésus. Il dit aux fidèles qui étaient là dans Actes, ne bougez pas. Restez là à Jérusalem. Ah, c'est fort, hein? Ne bougez pas de Canaan. Restez là. Restez fidèles. Assis dans la parole. Ne bougez pas. Ne faites pas comme les chrétiens volatiles. Quand le vent souffle, ils bougent comme ça. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Restez là. Là. Ne bouge pas. C'est là que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ici. On prend le début de Actes, non? Début de Actes. Comme il se trouvait avec eux dans Actes 4, Actes 1, je crois le verset 4, Actes 1, pardon, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ne bougez pas de Canaan, ça vient. Si tu bouges, tu vas rater. Reste là. Reste à Canaan. Ça vient. Dans peu de temps. Il dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Soyez patients. Soyez patients. Attendez ici. Ensuite, j'ai dit quoi? Croire en Dieu, croire en Jésus, croire en sa résurrection, ne pas s'éloigner du lieu fixé par Jésus. Encore un peu de temps. Jésus doit être glorifié. Il doit être élevé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 10, dans le verset 9 d'abord, Jésus, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc, Jésus est monté, n'est-ce pas? Dans une nuée, il a été dérobé aux yeux des fidèles. Gloire à Dieu. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient,
Donc les fidèles, on avait les regards fixés vers le ciel. Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il y a une autre condition pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être concentré. Un cultivateur, quand il regarde le ciel, il attend que l'atmosphère, le climat soit meilleur avant de s'aimer. Il ne va jamais s'aimer. Pourquoi vous regardez le ciel? Des gens sont obligés de venir vous dire pourquoi vous regardez le ciel. Soyez concentrés. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, d'Élie et d'Élisée. Élisée a suivi son maître partout où il partait. Bien que Élie disait à son serviteur: reste là, je vais faire les choses de mon père. Il dit: non, aussi vivant qu'est Dieu et aussi vivant qu'est ton âme, je suis avec toi. Les fils des prophètes sont venus, ils ont dit: sais-tu qu'on va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Il dit: taisez-vous. Taisez-vous. Autrement dit, restez concentrés. Élisée a été concentré jusqu'à ce qu'on enlève Élie. Et c'est en cela qu'il a reçu la puissance d'en haut. C'est la même chose. Les gars regardent le ciel quand Jésus est parti. Bon, on leur a dit non. Restez concentrés. Donc, un point important pour recevoir le Saint-Esprit, restons concentrés dans le lieu où on nous a demandé de rester. Restons là, concentrés. Ensuite, les chrétiens se sont mis dans la chambre haute pour prier, n'est-ce pas? Pour prier. Et c'est en ce moment-là, ils ont persévéré dans la prière. Persévéré dans la prière. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont persévéré dans la prière. Et boum, le Saint-Esprit est descendu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de miracle magie. Moi, je préfère ça magie. Hein? Voici le processus. C'est comme ça que j'ai compris cela. Il faut croire en Dieu. Faut croire en Jésus. Faut croire en sa résurrection. Ne pas s'éloigner du lieu, de ton lieu de culte. Activer la flamme de la prière. Rester concentré, persévérer dans la prière. Et c'est en ce moment-là que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand il viendra, parce que vous avez aimé les commandements que Jésus a laissés, vous avez continué à persévérer dans la parole, à persévérer dans la connaissance de la parole, dans l'enseignement, il viendra maintenant vous rappeler toutes choses que vous avez bossées. Il viendra vous révéler toutes choses. Il viendra vous enseigner toutes choses. Gloire à Dieu. Voici le processus. Donc, si ça semble un peu chinois pour ceux qui n'ont pas encore parlé en langue, voici le processus. J'ai vu des églises qui ont essayer de faire parler des personnes en langue. Moi-même, j'ai suivi cet enseignement-là aussi. On dit un vent impétueux venait de Dieu. Et on vous dit, faites comme ça. Ça va déclencher, ça va déclencher. Faites du bruit. Faites du bruit, ça va déclencher le Saint-Esprit. Bon. Ça marche pour un moment. Ça marche pour certains. Mais, bon. Mais en fait, je veux dire, activez, essayez de balbutier quelque chose. Moi, j'ai vu des personnes essayer. Ça fait rire souvent. Il y en a qui sont là. Et puis, ça se déclenche. Il y en a qui parlent carrément chinois, carrément. Hein? Il y en a qui parlent chinois. Mais il faut essayer par moment. Il faut essayer. N'ayez pas honte. Ça fait... On va se moquer de vous par moment, mais essayez. Essayez. Hein? Mais comprenez ce cheminement-là.
à mon avis, c'est le bon cheminement. C'est le bon cheminement. Si tu crois en Jésus, tu crois en sa résurrection, tu ne t'éloignes pas de ton lieu de culte, tu es persévérant dans la prière, tu pries, tu demandes le revêtement de là-haut, tu pries et tu restes concentré dans sa parole, quelque chose se passera. Gloire à Dieu. On va se lever et on va rendre grâce à Dieu pour la parole qu'on vient d'écouter. Éternel Dieu, je voudrais bénir ton nom pour ce moment de partage. Je vais te rendre grâce pour l'enseignement que tu nous as donné, que tu m'as permis de partager avec les frères et sœurs. Père, que cet enseignement soit gardé dans leur cœur. Que chacun, à la maison, partout, qu'ils essaient eux-mêmes de déclencher le processus. Dieu, que la gloire de ce moment te revienne, que la puissance qu'a généré ce moment te revienne, que le règne qu'a généré ce moment te revienne, éternel Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Dispose tout en ma faveur. Oh Yahweh, dispose tout.